So the next one, the next person we're going to hear from is from Jacques Pellier, who's our recipient for the story written in French. His story is entitled Mission. Dr. Pellier is from Carlisle, Quebec, so he's presenting from his home province, for his home province. Dr. Pellier completed his medical school and specialized training in family medicine at the University of Montreal. He's an assistant clinical professor in the Department of Family Medicine at the University of Montreal and at Sherbrooke. And did immersion clerkship in Uganda and Haiti. Currently, he is consulting physician in the Provincial Correctional Center, a member and a delegate of the Quebec section of the Red Cross, and provides emergency and hospital services for the CSSS. Le texte s'ouvre sur une citation de Richard Desjardins. Je remercie mes parents de m'avoir protégé de la faim, du froid, de la peur et de l'ignorance. Donc, me voilà donc sur le tarmac, N'Djamena, au Tchad, février 2008. L'Airbus qui m'y a déposé avec quelques membres de la Croix-Rouge française avec qui je partagerai ma première mission humanitaire. Il est 22 heures, il fait nuit noire, le couvre-feu imposé par les militaires est largement dépassé. Nous quittons l'aéroport silencieusement. Seuls les logos de la Croix-Rouge sur les portières du tout-terrain sont illuminés. Notre protection. Toujours silencieusement, nous nous installons pour le restant de la nuit dans l'hébergement rudimentaire retenu par la Croix-Rouge. Nous ne pourrons circuler que demain matin vers notre destination finale, le Cameroun. N'Djamena est pourtant presque sécurisée par l'armée française, mais les traces d'affrontement entre les forces du Tchad et les rebelles aspirant au pouvoir sont clairement visibles. Édifices criblés d'impact, rues désertes, militaires sous tension. La population locale a fui au pays voisin, le Cameroun. Le camp de réfugiés installé par l'UNHCR est tout neuf, situé en plein désert sahélien, à 30 km de la petite ville de Koussiri sur la frontière. Site retenu parce qu'une source d'eau souterraine permettra de couvrir les besoins. En deux semaines, près de 3000 personnes ont trouvé abri sur cette terre inhospitalière. À maturité, près de 8000 réfugiés y logeront, fuyant les combats et la guérilla urbaine. Femmes, enfants et hommes ont traversé à pied le désert sur plusieurs kilomètres pour hériter ici d'un peu de sécurité, d'une tente, de maigres rations de survie. Je me suis préparé pour cette mission attendue depuis si longtemps. D'abord, depuis plus de 20 ans de pratique en milieu rural et éloigné, la Gaspésie. Ma première aventure humanitaire, j'aime rappeler avec humour à mes patients qui s'inquiètent de mes départs à l'étranger. Urgence, hospitalisation, suivi en clinique, clientèle variée. Stage clinique en Inde pour une exposition aux maladies tropicales et entraînement spécifique offert par la Croix-Rouge pour ses déploiements d'urgence. La première équipe est arrivée au Cameroun il y a deux semaines. Quelques tonnes d'équipement transformés en clinique médicale et en quartier de vie pour nous qui partagerons les lieux avec les réfugiés. Offrir un accès à des soins de base 24 heures par semaine, 24 heures par jour, toute la semaine. Cette équipe est littéralement crevée par le travail accompli, le soleil brûlant. Dardant de ses rayons jusqu'à 45 degrés Celsius, il n'y a pas d'ombre, un seul arbre au loin que nous ramènerons tous en souvenir photo, le soleil rougeoyant se plaçant derrière lui en soirée. Je suis prêté par la Croix-Rouge canadienne à cette mission française. Deux médecins, cinq infirmières, trois techniciens pour assurer que nos génératrices et notre système d'épuration d'eau ne flancheront pas. Un chef d'équipe, un chef d'orchestre, devrais-je dire. On ne roulera pas cette clinique seule. Rapidement, auprès des réfugiés du camp, on recrute du support. Cuisinières, ouvriers, mais aussi infirmières et médecins locaux, trop heureux de pouvoir aider à nos activités et à être utiles. En plus d'un revenu minimal, ils combattent le désœuvrement. Toutefois, le soir venu, ils doivent quitter l'enceinte du centre de santé pour retourner dans le camp. Meeting initial. Mon confrère et moi sommes informés par le chef d'équipe que les sages-femmes suisses qui devaient être là ne viendront pas. Paris travaille sur une solution, probable dans trois semaines. D'ici là, puisque nous sommes médecins, nous couvrirons les accouchements.
même si ni moi, ni mon confrère ne faisons d'obstétrique habituellement. Pour comprendre notre inconfort, il faut rappeler que dans ces contrées africaines, quasiment toute femme en âge de procréer est enceinte. C'est effectivement la situation dans notre camp. Les journées de travail commencent tôt, finissent tard. De longues files de personnes, dignes malgré les haillons. Des requêtes en tout genre, traumatismes, déshydratation suite au déplacement dans le désert, maladies respiratoires, diarrhées sanglantes ou pas, malnutrition, des fièvres, mais heureusement, nous ne sommes pas en saison de malaria. Détresse des personnes voulant continuer les traitements antituberculeux ou antirétroviraux qu'ils recevaient avant que leur monde éclate. Des échanges stimulants avec les confrères locaux. Ah, les maturies chez vous, c'est la schistosomiase. Le temps libre se passe le nez dans les guides de pratique de MSF. Nous étions venus travailler, nous voilà servis. MSF a bien rédigé un guide obstétrique en région éloignée, en région isolée. Pratique, mais pas vraiment réconfortant. Nous aurons une vingtaine d'accouchements pendant les 3 semaines sans sage-femme. Certains réflexes reviennent vite sous le stress. Accouchement pour la plupart aisé compte tenu des petits poids de naissance. Mais sueur profuse lorsque jumeaux, circulaires ou saignements atoniques se présentent. La coutume locale veut que l'accoucheur baptise l'enfant nouvellement né. Quelques petits Africains portent donc les prénoms de mes 4 enfants. Manque d'originalité, plutôt des liens avec mes proches qui, à cet instant, sont dans une réalité si éloignée. Une nuit, une mère m'amène sa fille de 16 ans, Aïcha, à même une brouette. À l'œil, la grossesse est probablement à terme. Questionnaire impossible, Aïcha est inconsciente et convulse à répétition. Un peu de diazépam, le temps de trouver le magnésium et surtout la recette d'administration. J'implore notre chef d'équipe de transgresser le couvre-feu et de permettre le transport en pleine nuit vers l'hôpital de Koussiri où des césariennes sont possibles. Nous partons donc, un chauffeur, la patiente éclamptique étendue sur le plancher de la Jeep, sa mère, une infirmière et moi. Le débit du soluté est impossible à contrôler dans ce 4x4 qui roule à toute vitesse dans les dunes. Je me demande quand la patiente arrêtera de respirer ou si nous serons stoppés par une collision avec une antilope, pire, avec un éléphant. Nous atteindrons toutefois sans encombre l'hôpital et Aïcha sera prise en charge par l'équipe chirurgicale. Le retour se fait en roupillant nos surrénales vides de leur catécholamine. 3 jours plus tard, Aïcha est de retour sur le camp. Elle vient me présenter son poupon. Elle veut aussi m'informer qu'elle et sa famille ont choisi un prénom puisque l'obstétricien ne l'a pas fait. Cet adorable bébé se prénommera Merci Jacques. J'ai bien proposé une alternative, puis de se limiter seulement à Jacques. Mais la décision était ferme, ça sera « Merci Jacques ». Pour m'acquitter de mes obligations de parrain, j'ai demandé à un de nos chauffeurs de ramener un trousseau de vêtements pour le bébé lors du ravitaillement au marché. Dans cette région d'Afrique, 1 enfant sur 5 décède avant l'âge de 1 an. Les réfugiés font partie des plus pauvres parmi les pauvres. Le camp de Koussiri a été démoli par une émeute quelques mois après ma présence, l'équipe de la Croix-Rouge française évacuée d'urgence. À l'époque où j'étais au nord du Cameroun, le sud du pays était à feu et à sang dans ce qui s'est appelé les émeutes de la faim. Le prix des denrées alimentaires flambait alors que les terres cultivables étaient détournées vers la production de biodiesel. Je n'ai aucune nouvelle d'Aïcha et de Merci Jacques. En dépit d'une intrusion épique dans ma vie, je ne peux toutefois pas être optimiste pour eux. Malgré tout, les séjours subséquents que j'ai faits en pays sinistré me convainquent encore plus de cette nécessaire solidarité.